C'était une fois, dans un paisible temple niché parmi les montagnes verdoyantes, un sage maître zen célèbre. Des gens de partout venaient d'en chercher ses conseils et apprendre de ses enseignements profonds. Un jour, lors d'une de ses conférences, un jeune disciple s'approcha du maître et lui demanda « Maître, veuillez m'enseigner le secret pour vivre une vie vraiment significative et comprendre la valeur de ma vie. » Le maître zen sourit doucement et dit « Mon enfant, laisse-moi te partager les leçons les plus précieuses sur le pouvoir du silence, la clé pour trouver la paix et la motivation dans cette vie chaotique. » Dans les moments de colère, lorsque la colère monte, elle diminue votre esprit et obscurcit votre clarté et rationalité. Le maître expliqua, « Laisse ton âme être aussi silencieuse qu'un lac calme. En maintenant le calme dans la colère, vous évitez de dire et de faire des choses que vous pourriez regretter plus tard. De ce silence, vous trouverez la clarté et la sagesse pour affronter les situations avec discernement. » En temps de conflit, le silence est quelque chose que peu de gens remarquent dans la vie moderne. Le maître souligna, « En temps de conflit, gardez votre cœur en paix et écoutez profondément l'âme de l'autre personne. Ainsi, vous comprenez la cause profonde du conflit et trouvez une résolution pacifique pour tous. » En période de deuil, la vie apporte inévitablement des pertes et des chagrins. Le silence nous aide à honorer et à traiter ces émotions. En laissant notre âme être tranquille, nous pouvons vraiment comprendre et accepter ces sentiments sincèrement, sans essayer de les cacher ou de les éviter. En temps d'incertitude et de doute, face aux ambiguïtés de la vie, le silence est le chemin vers la clarté. Par la méditation et la contemplation de cette tranquillité, nous trouvons la confiance et la compréhension nécessaires pour prendre les bonnes décisions dans les moments incertains. En période de succès, souvent le succès rend les gens arrogants et complaisants. Le maître rappela, le silence nous maintient motivés à accomplir de nouvelles réalisations. En entraînant l'âme à écouter, nous maintenons toujours l'humilité et la loyauté, toujours prêts à apprendre et à grandir. Le jeune disciple écoutait attentivement, absorbant la sagesse du maître zen. Il réalisa que le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un trésor inestimable pour nourrir l'âme, la compréhension et la motivation dans chaque situation de la vie. Dès lors, il commença son voyage pour chérir le silence dans chaque montée et descente, grandissant chaque jour pour devenir une source d'inspiration et de guidance pour ceux qui cherchent le chemin vers la paix intérieure et la plénitude de l'âme. Merci à tous d'avoir écouté l'histoire sur le pouvoir du silence et comment il nous aide à trouver la motivation et la paix dans la vie. J'espère que vous avez trouvé des leçons significatives et de la motivation dans cette histoire. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Avez-vous apprécié chaque moment et trouver du sens dans les défis? Avez-vous utilisé le silence pour affronter des émotions difficiles et trouver la bonne direction? Même lorsque la vie nous pousse dans des moments difficiles, souvenez-vous que le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un outil puissant pour nourrir l'âme, se comprendre soi-même et découvrir le véritable sens de la vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Continuez à vous cultiver
et à en apprendre davantage sur le pouvoir du silence. Nous nous retrouverons dans les prochaines histoires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si vous avez apprécié ce contenu. Je vous souhaite une vie pleine de sens et de motivation. À bientôt.